Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule qui va vous rappeler les règles pour écrire les nombres en lettres. Certains nombres s'écrivent simplement avec un seul mot. C'est le cas des nombres jusqu'à 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16. C'est également le cas des dizaines jusqu'à 60, 10, 20, 30, 40, 50 et 60. Et c'est enfin le cas des mots 100 et 1000. En revanche, certains nombres sont composés de plusieurs mots simples. Ils vont alors prendre un trait d'union. Depuis la réforme de l'orthographe de 1990, tous les nombres composés prennent un trait d'union. Les nombres qui se terminent par 1 prennent en plus un « et ». On dit 21, 61. En revanche, 81 et 91 vont s'écrire seulement avec un trait d'union, sans « et ». Les nombres 20 et 100 s'accordent uniquement quand ils sont multipliés par un nombre sans être suivi par un autre. Ainsi, 80 s'écrit avec un S, mais 83 ne prend pas de S à 20. 500 prendra un S à 100, mais 501 s'écrira sans S. Le nombre 1000 est toujours invariable. 3000 s'écrira sans S, de la même manière que 3012 s'écrira également sans S. En revanche, 1000 peut s'écrire M-I-L, mais vous le trouverez seulement dans une date. Retenez donc que les nombres composés sont toujours reliés par des traits d'union, que les nombres 20 et 100 sont invariables quand ils sont suivis d'un autre nombre, et que 1000, quant à lui, est toujours invariable. Et voilà!